scène d'une vie ordinaire qui a tout un moment extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Ce 15 janvier 1991, dans la cuisine de Daniel et de Marie-Claude Adam, on garde son calme. Leurs sextuplés ont faim, mais ils ont pris l'habitude de rester patients. Le photographe Jean-Claude Deutsch assiste au dîner familial dans la maison des sextuplés et de leurs parents à Saint-Pierre-les-Elbeufs en Normandie. C'est une première en France. À cette date, ils sont les seuls. Assis sur la table, bavoir protecteur, clin d'œil au photographe qui ne semble perturber personne, la famille, très nombreuse, organise son rituel du dîner entre le père et la mère. Ils ont trouvé la solution en se répartissant les tâches. Trois enfants pour l'un, trois enfants pour l'autre. Ce soir, c'est papa qui a fait la cuisine et les petits gâteaux dont les six raffolent.